Mais franchement, les propriétaires de chiens qui a des troubles de comportement avec le chien, franchement, vous allez venir, vous n'allez pas regretter. Mais là, franchement, une évolution. Hein. Même au pied, là, c'est incroyable, il tirait tout le temps, mais là, il a arrêté. Et moi, il tire moi. Pour moi, c'est impressionnant. Il est obéissant à la base, mais il a ses comportements. Et là, il ne couine plus, il est calme. Ok, est-ce que tu as déjà vu des professionnels avant moi? Oui, j'ai vu deux professionnels, normalement 5 étoiles comme on dit, mais ça m'a rien rapporté en fait. Franchement, il y a du progrès depuis le matin, on n'arrête pas de travailler. Déjà les tests d'évaluation, il nous a pu nous prouver plein de choses. Test d'évaluation numéro 2, je vais donc appliquer comme je fais sur toutes mes vidéos YouTube que je vous invite à regarder pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je vais appliquer la communication salivaire. Voilà. Il y a des bons résultats. Déjà, mon chien ne couine pas. Il a arrêté de tirer en laisse. Toutes les trucs qui bougent, il a tendance à vouloir choper le mollet. Quand il sent les gens qui ont peur, il a tendance à vouloir le choper le mollet. Il m'a mordu les bras et il m'a mordu mon fils son bras sans raison. Ah, si. Continuez. Allez, fais la patte. Voilà. Il est sympa, mais il ne cuine plus. Il est tranquille. Il ne bouge pas. Il est calme. C'est vraiment incroyable. Bon, ça c'est bien bon. D'accord, pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher, j'envoie Ulysse. Pas bouger, pas toucher. Non, levez-le au moins. D'accord, pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher, continuez. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. D'accord, pas bouger, pas toucher. Ok, d'accord. D'accord, ok. Oui. Ok, Tiens-moi. Là franchement elle a arrêté de courir ou sentir des choses. Est-ce que tu es content pour le moment? Ben, je suis content, il va pas voir les gens ou sentir tout, bouger partout, excité comme un fou quoi. Ok. Bonjour. Oula, t'as vu pipi sur la place? Caresse le fils, c'est pipi. Là, c'est le bateau à Saint-Tropez. Regarde-le. Le chat qui couinait de partout, t'as été voir deux dresseurs de chiens. Ouais. Hey, il arrête d'être cuiné, hein. Ouais. Vous pouvez le même voir en caméra, il cuine pas. C'est ça. Il est calme, il est content. Il est content, hein. Ouais. T'es bien là, mon pépère, hein. T'es bien, mon pépère. Il fait la gueule en direct. Hein. Ouais. Oui, fais la bougie. Franchement, il y a du progrès depuis le matin, on n'arrête pas de travailler. Déjà, les tests d'évaluation, il nous a pu nous prouver plein de choses. Et comment ce chien il est. Et vous allez pu le voir sur les vidéos. Et franchement, au top. Qu'est-ce que tu peux dire aux propriétaires de chiens qui sont de Paris, par exemple? Ah ben, les propriétaires de Paris, déjà, qui risquent leur chien à chaque fois, il faut arrêter. Et venez voir Eric Tramson. Et vous allez montrer comment il faut dresser un chien. Est-ce qu'il y a une différence entre le dresseur que tu as vu à Paris et moi aujourd'hui? Ah oui, il y a un monde de différence. En parlant, et théorique, et pratique, c'est pas pareil. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector « Le chien de vous à lui » et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires.
Ciao, bye bye.